Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans le talk sur Web Girondin. On est heureux, je suis heureux de vous retrouver pour un horaire qui n'est pas habituel. Nous sommes mercredi, les 19h30 et on est ensemble, 19h30 pardon, et on est ensemble pour parler jeux et ballons avec vous pendant le talk, pendant une heure environ, pour
m'accompagner autour de la table. Il est là, l'un des boulonnables, monsieur Jonathan D'Agostino. Salut Joe. Salut, salut, bonsoir à tous et bonsoir à Jean-Louis Gasset, je suis sûr qu'il nous regarde ce soir. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, je fais un petit préambule. On n'a pas la prétention, je n'ai pas la prétention de faire une compo, d'avoir les compétences pour faire une compo. C'est parce qu'on aime le jeu, parce qu'on est des amoureux du ballon, qu'on a envie de réfléchir, de plancher sur la compo, et surtout parce qu'on voit qu'il peine à trouver la bonne formule. Donc nous, on s'est dit, bon, on va mettre notre petite grain de sel et on va se mettre à contribution. Et pour ça, il y a monsieur Philippe Etchemendi, un coach, avec nous. Salut Philippe, bonsoir et bienvenue. Salut Nico, salut tout le monde. Monsieur Gino Forte est là. Salut Gino. Salut Nico, salut à tous. Titulaire au poste, toujours. Quel poste, Gino, tu joues, toi? Moi, je préférerais être créateur, mais bon, après, il faut avoir les capacités aussi pour faire les courses et autres dans le milieu. Hein. Ouais, mais bon, dans l'idéal, c'est créateur, toi. Numéro 10. Ah, j'aimerais bien, ouais. Bon, c'est beau. Et monsieur Conan qui est là, dans la cabine. Salut Conan, ça va? Voilà, voilà, ça va, salut tout le monde. Bon, comment la journée s'est bien passée, messieurs? Ça va, vous avez survécu à ce mercredi de confinement ou de non-confinement? Ouais, on dira ça. Voilà, allez, le sommaire, c'est simple, on va parler ensemble. Regardez, ça va s'afficher sur votre écran, une compo pour... Jean-Louis, voilà, une compo pour les Girondins. On vous a sondé, c'était une de tes idées, Joe, hein, que tu avais soumise de plancher lors d'un talk sur une composition d'équipe des Girondins de Bordeaux. Et vous avez été très nombreux, on a mis une actualité sur le site webgirondins.com, c'était quand fin de semaine dernière. On a reçu énormément de messages, plus d'une centaine de commentaires sur le site. J'ai reçu énormément de compositions d'équipe par mail, donc ça vous passionne et c'était super intéressant. Donc j'ai fait une compilation des compos. Alors bien sûr, on va pas passer en revue les 100 compositions d'équipe, mais on va discuter ensemble. J'ai pris à peu près tout ce que vous avez remonté, et donc regardez, ça s'affiche. J'ai eu en termes de système beaucoup de 4-3-3, des 4-4-2 en losange. J'ai même eu un 4-4-2 à la Helibop qui m'a été proposé, un 4-3-2-1 en termes de système de jeu, un 4-2-3-1 aussi. Donc on va regarder ça ensemble. Sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, puisque Conan est là pour les relayer. Si vous voulez passer et intervenir, Conan mettra mon numéro, vous m'envoyez un SMS et je vous appelle. Voilà, je vous laisse le temps d'arriver, de partager, de liker cette vidéo. Messieurs, par quoi vous voulez commencer déjà? Est-ce que vous avez une remarque sur les compos? Joe, tu avais envie de faire ce thème-là, pourquoi? Moi, j'avais envie de faire ce thème-là parce qu'effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. On critique beaucoup, nous et ceux qui nous regardent et qui regardent les matchs des Girondins. Donc... critiquer, c'est bien. Maintenant, il faut proposer des solutions, proposer des idées. Moi, c'est pour ça. Je suis sûr qu'il y a des milliers de supporters, donc il y a des milliers de coachs et il y a des milliers d'idées. Donc, c'est l'occasion un petit peu de rassembler tout ça et d'essayer de trouver en commun des idées qui peuvent peut-être apporter aux Girondins et qui peuvent modifier les choses Girondins. Ça serait bien. Donc, peut-être qu'on aura des idées, que Jean-Luc Gasset, après, derrière, aura la même idée que certains, que nous ou d'autres, qui ont participé à ce thème-là, quoi, du coup. Donc, voilà. Et Ghislain Printemps aussi, on pense à lui, hein, parce que c'est, je pense qu'il doit avoir plein d'idées lui aussi. Gino, avant de démarrer dans les compos et de présenter la tienne, par exemple. Non, c'est toujours intéressant, comme le dit Joe, après d'avoir des idées, de proposer des choses par rapport à l'effectif aussi et ce qu'il en retourne, parce que justement, ça permet de voir aussi quelle est notre valeur d'effectif et par rapport aux joueurs, parce que des idées, on peut en avoir, mais associer les joueurs au bon endroit, aux bonnes places, et se rendre compte aussi de la difficulté que peut avoir Jean-Louis Gasset pour construire une belle équipe en Ligue 1. Philippe, toi qui es coach, tu es le seul d'entre nous là, à avoir ton diplôme d'entraîneur. Comment tu t'attends à quoi là? À découvrir quoi en termes de composition d'équipe? Ah, je suis très, très curieux de voir le 4-4-2 à la BOP, là, voir qui c'est qui nous a sorti ce système qui nous a tant fait rêver pendant une année en 99. Mais je cherche quand même Mikou et Benarbia dans notre effectif. Bon, la semaine des Viltord, j'en parle même pas, mais Mikou et Benarbia, je les cherche quand même un peu. Mais sinon, ça va faire du bien de parler
de parler de jeu, de parler de foot, ballon. Parce que je vous ai écouté l'autre soir et Molina, il nous a pas mis le moral au beau fixe, même si tout ce qu'il dit, malheureusement, on commence à tous le savoir. Donc voilà, reparler un peu de ballon et puis on va toujours être dans l'espoir de s'attendre à quelque chose de bien vendredi soir, même si on en doute tous un peu, mais on va au moins garder cet espoir-là. Adri Poletta sur le chat, on te salue, Frédéric, Le Don, Alexandre et tous les autres. Conan, je t'ai pas demandé ta compo, mais tu peux intervenir quand tu veux sur les compos. Pas de problème. Voilà. Bon, messieurs, alors le 4-4-2 à l'Ilibop, je ne l'ai pas illustré. Hein. C'est une des compos que je n'ai pas illustré. Donc, bon, on va regarder. Et moi, juste un sentiment avant, j'ai été surpris parce que vous avez été assez peu parmi vous à mettre des jeunes joueurs dans la composition d'équipe. Ça m'a surpris. Alors, les internautes, les supporters en ont envoyé pas mal avec des jeunes joueurs. Et vous, par contre, c'est resté très, très classique, très... très gassé. Pourquoi vous n'avez pas mis beaucoup de jeunes joueurs? Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Mais... Tiens, on va commencer par ta compo, Joe, puisque c'est toi qui as eu l'idée. Allez, la compo de Joe. Allez, bisous. Elle s'affiche, ta compo. La voilà. Alors, je te laisse commenter ta compo d'équipe pour les Girondins. Tu nous dis ce que tu en penses, ce que tu as vu. Moi, déjà, effectivement, c'est une composition... je me suis creusé la tête. Hein. Ça ne s'est pas fait en deux minutes, l'histoire. Déjà, j'ai regardé un petit peu ce qu'a fait Jean-Luc Gasset. Lui, sur 8 matchs sur 10, il nous a fait un compo. C'était du 4-2-3-1, pardon. Du coup, donc j'ai regardé un petit peu les joueurs qu'il avait utilisés, etc. J'ai remarqué deux choses. La base défensive, Sabali et Benito sont titulaires 9 matchs sur 10. Après, c'est Koscielny, Pablo Beis, selon les blessures et les suspensions. Après, la problématique, c'était surtout les ailiers. Sur les 10 compos, sur les 10 matchs, à droite, il y a 6 joueurs différents titulaires. À gauche, il y en a 5. Je me suis dit, la problématique, on sait que l'animation offensive est un gros problème. Et j'ai remarqué que ces ailiers, concrètement, n'arrivaient pas à trouver la solution. Donc, je me suis dit, je vais les enlever. Donc, du coup, obligatoirement, je change de système. Donc, je suis passé à un système à 4 défenseurs, un milieu en losange et 2 attaquants. Parce que ça fait très longtemps que je veux voir 2 attaquants et Maja avec un autre attaquant. Alors, du coup, ce système-là fait que, du coup, ben, il va avoir un gros boulot, notamment pour les 2 latéraux. Alors, j'ai mis Sabali à droite. Sabali, pour moi, le Sabali du bon niveau, est capable d'occuper tout un couloir, pour moi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il a besoin, par contre, de relais quand il a le ballon. C'est pour ça que j'ai mis Erkan à droite, en milieu axial droit, qui peut effectivement aider parce qu'il peut vite, il peut jouer en milieu droit, il peut manger la ligne aussi. Et Kalou, pour moi, au front de l'attaque, qui peut beaucoup bouger et beaucoup aider, justement, dans les relais ou proposer des choses, faire des mouvements en profondeur, du coup. Donc ça, et après la petite surprise, bien évidemment, c'est donc du coup Oudin. Pourquoi Oudin? Je sais qu'à gauche, il n'y avait pas trop de solutions. Je me suis dit, je vais tenter autre chose. J'ai mis Oudin parce que ben, je trouve que c'est un joueur qui se bat beaucoup pour les autres, qui joue beaucoup collectif. Je sais qu'il ne pensera pas qu'à sa gueule. Donc il a fait des choses correctes défensivement. Il a pu aider défensivement quand il pouvait. J'ai pas oublié que Trimolina s'était formé offensif. Lizarazu était formé attaquant. Dimeco, Bounassar. Donc je me suis dit, vu qu'on n'a pas trop de solutions à gauche, pourquoi pas tenter un joker? Et pour moi, ça serait lui qui pourrait être, vu qu'il est gaucher, qui pourrait être intéressant, en sachant qu'en plus, offensivement, il arriverait lancé. C'est ce qui pose problème actuellement, c'est quand il est en milieu offensif, il est tout le temps arrêté avec le ballon, donc il sert strictement à rien. Je me dis qu'offensivement, il pourrait apporter comme ça. Oui, vas-y, je te laisse terminer. Vas-y, termine, et après on... Non, juste après, donc il y a une grosse base défensive avec Koscielny, Beis, Otavio. Otavio, on sait qu'il ne sert pas beaucoup dans le jeu. Le but du jeu pour lui, ça serait de combler du coup les montées des latéraux et justement contrer les attaques et les offensives adverses. Du coup, après j'ai mis Ben Arfa à ce poste-là. Pourquoi? Parce qu'à Nice, c'est là qu'il a été le meilleur avec Pléa et Germain devant. C'était pas les mêmes attaquants, bien évidemment. Mais sa meilleure saison, c'est à Nice, c'est dans ce rôle-là avec 2 attaquants devant. Et après j'ai mis Kalou devant parce que je sais qu'il est très mouvant, qu'il peut bouger partout et provoquer des choses en profondeur et balle au pied. Et Maja, comme j'ai dit, il aura un soutien avec Kalou en deuxième attaquant et Ben Arfa qui sera juste derrière pour l'aider. Pour moi, il peut avoir des bons ballons comme ça. Son but, lui, ça va être de finir les actions. Je sais qu'il a le sens du but à Sunderland. Il a joué dans ce système-là. Il était très intéressant. C'est là qu'il a cartonné. Je me dis que dans ce dispositif-là, il pourrait être intéressant. Voilà. Allez, l'avis de Gino et ensuite de Philippe, le coach qui sur ta compo. Gino, une remarque. Oudin à gauche. Moi, ça m'a surpris quand j'ai vu la compo de Joe. C'est plus sur Oudin, moi, ou dans le profil. Après, ça peut être une idée. Hein. Tu vas me dire, en termes d'explosivité, par exemple, et de compétences, est-ce que Benito, actuellement, te donne des satisfactions? Donc, ce n'est pas le plus rapide et le plus mobile. Donc,
Donc, tu vas me dire pourquoi ne pas tenter Oudin dans l'idée. Mais par rapport au poste et à ses compétences, moi, ça me paraît un peu compliqué. Après, à voir, pourquoi pas. On a vu qu'il y en avait, comme il l'a bien dit, hein, il y a des exemples qui ont été cités d'arrière latéraux, qui, enfin d'offensifs qui se sont reconvertis. Mais c'était justement pour moi plus des joueurs offensifs et plus explosifs, notamment. Quand tu prends l'exemple de Sarr, c'est un joueur très explosif. Oui, il n'a pas cette compétence. Mais pardon, dans l'idée, pourquoi pas. Oudin, moi j'ai en tête un match face à Lyon à domicile cette saison où il passe le match à défendre comme un chien, j'ai envie de dire quoi. C'est vrai. Il se dépouille. Ça m'a surpris. Après, je dis, est-ce qu'il peut quand même assurer? Je vois donc bon. Et Philippe, puis mentalement, ouais. Ouais, est-ce mentalement. Que c'est un joueur qui est capable. C'est ça. C'est ça, Gino. Philippe, ton avis sur la compo de Joe? Moi, là où je le rejoins, c'est sur le milieu. De toute façon, ma compo, elle va un peu dans ce sens-là. À un moment donné, on n'a pas des joueurs qui prennent le dessus individuellement. Donc, collectivement, ben, mettre un joueur supplémentaire en milieu, ça va peut-être de temps en temps nous permettre de prendre un petit peu moins l'eau parce que pour moi, le souci premier, il est là. Après, voilà, Oudin, c'est une idée. Je ne vais sans doute pas être d'accord, mais dans un rôle de piston à la Souza, oui. Sur une défense à 4 à plat, j'ai un peu plus de mal parce qu'il a souvent joué faux pied. Voilà, il a un petit peu moins ce profil. Après, pour dépanner, pour essayer, au point où on en est, pourquoi pas. Et après, moi, l'attaque Majakalou, voilà, ça, je trouve que ça manque un peu de complémentarité. C'est pas des bouffeurs d'espace. Kalou, il va faire 2-3 appels, il va lui falloir le ballon dans les pieds. Maja, moi, il me déçoit quand même depuis un trimestre. Donc, sinon, le système en lui-même, oui, voilà, un milieu à 3, et pourquoi pas 2 attaquants derrière Ben Arfa, oui, c'est quelque chose qui peut être entendable largement. Oui. Conan, ton avis, puis sur le chat, s'il y a des remarques par rapport à la compo de Joe? Moi, je trouve la compo pas mal. Après, il y a un ou deux joueurs que j'aurais changé, comme Bazic, ou je l'aurais pas trop vu sur ce côté, justement. D'ailleurs, en ce moment, je ne le verrai même plus trop sur le terrain. Oudin, c'est pas mal. C'est aussi l'idée que j'avais de le mettre en défense, parce que je trouve quand même que depuis le début de la saison, offensivement, il apporte pas tant que ça, mais défensivement, c'est vrai qu'il est quand même souvent là pour soutenir l'équipe. Donc, il est possible qu'effectivement, en défense, il puisse quand même apporter ce qu'il faut. Et sur le chat, est-ce qu'il y a des remarques concernant cette composition? Est-ce qu'elle séduit les internautes? J'ai vu passer un message tout à l'heure. On dit attention le côté gauche, quoi, ça fait peur. J'ai vu passer Joe. Bye. Oui, vas-y, Conan, oui. Et après Joe. Hein? Ouais, non, mais j'allais dire sur le chat, il y en a plusieurs qui veulent plus de Sabali sur le terrain du tout, quoi. Ils préfèrent Kouateng dans tous les cas. Il y en a beaucoup qui parlent de Wang. Il y en a certains qui disent que Oudin, justement, c'est une très bonne idée aussi, qu'il faudrait essayer pour voir ce que ça donne. Et Bazic out, donc on me dit même que j'ai raison. Donc voilà, c'est une compo qui pourrait être pas mal. Bon, Joe, qu'est-ce que tu as à répondre aux critiques et aux... Je comprends par rapport à Oudin, je sais que c'est un point d'interrogation. Moi, c'est une idée juste que j'ai envie de tenter de voir. Clairement, c'est pas, je dis pas que c'est une bonne idée, c'est quelque chose que j'ai envie de voir pour essayer. Je me dis, vu le profil du joueur et vu en fait sa mentalité collective, tu vois qu'il pense pas qu'à sa gueule en premier temps, il pense vraiment à l'équipe et au collectif. Pour moi, je pense que ça peut être une idée qui est tentable. Bazic, il reviendra, sûrement il est un peu à l'ouest, mais comme la plupart des joueurs au Girondin, donc clairement utiliser Bazic. Après, moi je pense qu'au milieu, surtout qu'on n'a pas trop de possibilités derrière, je me vois mal me passer de Bazic actuellement. La complémentarité après Kalou Maja effectivement est discutable. J'ai longtemps hésité entre Kalou et Briand, parce que je trouve Briand est très intelligent dans son jeu, mais avec Maja, je trouve que c'est un peu les profils similaires, donc ça manque un peu aussi de mobilité. Je pense que Kalou a plus de capacité à être mobile et à prendre la profondeur et surtout s'écarter sur les côtés. Voilà. Bon, les gars, vous avez d'autres remarques sur la compo? C'est quoi, Joe, ta compo? On peut dire, c'est un quoi? C'est un 4-3-1-2? 4-4-2 en losange? Ouais, c'est 4-4-2 losange pour moi, que j'étais parti sur cette idée-là. Voilà. Ok, bon, bah, écoute, très bien. Bon, les gars, d'autres remarques, sa compo? Oudin, quand même, c'est osé. Est-ce qu'il voudra jouer à cette place-là, Rémi Oudin? Moi, je pense que oui. Si, comme j'ai dit, hein, moi, j'ai l'impression qu'il pense beaucoup à ses collègues au collectif. Donc, je me dis,
Je pense que tant qu'il est titulaire, moi, je pense qu'il ne sera pas contre l'idée. Après, est-ce qu'il sera en confiance? Est-ce que mentalement, comme l'a dit Gino, effectivement, il peut suivre, il peut répondre aux besoins de ce poste-là? C'est encore autre chose, mais c'est pour ça que je mets Otavio aussi, pour combler les montées, pour combler les manques qu'il peut y avoir aussi, parce que Otavio, défensivement, c'est l'un des meilleurs en tant que sentinelle en France, c'est l'un des meilleurs. Quand il est vraiment au top, il est très très bon, Otavio, dans ce rôle-là. Je sais qu'il peut compenser certaines choses aussi, certains manques de ses coéquipiers aussi dans ce rôle-là. Voilà. Allez Gino, ta compo, elle s'affiche sur les écrans, sur vos écrans, chez vous. Un indice, non, c'est une autre émission ça. je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de faire ça. Allez Gino, ta compo. Donc, oui, alors avant de démarrer, c'est une équipe un peu faute de mieux, hein, on va être honnête. Moi je le dis parce que ce n'est pas l'équipe qui me fait rêver en soi. Mais malheureusement, j'aurais aimé peut-être mettre des, un peu comme les internautes, pouvoir mettre des jeunes, mais je n'ai pas assez de données pour moi qui me permettent de mettre pour l'instant des jeunes, à part Zerkan, peut-être qu'on a vu un peu plus dans cette équipe, notamment sur les postes de latéraux, où j'ai mis par exemple Kouateng à droite, qui me semble mieux que Sabali, mais ce n'est pas encore quelqu'un qui me fait rêver en Ligue 1 et qui me paraît… pour l'instant, avoir un domaine de performance assez haut pour l'équipe. Sabali, je le remets plutôt sur la gauche parce que je trouve qu'on est en grande difficulté sur le côté gauche. Donc, je me dis que Sabali, ben, malgré tout, ben, serait meilleur que Benito, ce qu'on voit actuellement. Une charnière, un base Koscielny, avec un base qui est bien mieux que Pablo pour l'instant. Il n'y a rien à dire là-dessus sur son niveau de performance. Un milieu basique, Adli. Alors, Adli, pourquoi Adli? Pour permettre justement de pouvoir relancer et avoir un jeu plus vers l'avant. Et je sors Otavio, moi, du milieu, qui je trouve est un des points faibles de notre milieu de terrain depuis trop longtemps. Et je pense que c'est le moment aussi de tenter quelque chose d'autre. On a vu qu'Adli avait de meilleures statistiques, notamment qu'Otavio par rapport aux passes. Donc, je mets ce milieu-là avec Ben Arfa, bien sûr, en numéro 10. Oudin sur le côté gauche et Kalou sur le côté droit, sachant qu'ils peuvent interchanger, notamment par rapport à des matchs ou des moments de match où on en ressent le besoin par rapport à Gassé. Et Briand, plutôt l'expérience de Briand devant. Pourquoi? Parce que là aussi, on voit que Maja est très en difficulté. Briand, lui, est capable d'être là, de marquer, notamment sur pénalty ou même dans le jeu, pouvoir garder le ballon dos au but. Donc, pour moi, Briand, pour l'instant, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, est encore l'attaquant numéro 1 des Girondins. C'est quoi? C'est un 4-2-3-1? On peut appeler ça comme ça? C'est un 4-2-3-1, oui. Plus comme ça, ouais. Plus dans ce style-là. Ouais. Bon, ben, très bien. Messieurs, tiens, Philippe, ta réaction sur la compo de Gino? Bon, c'est intéressant, même si pour moi, au milieu, ils vont quand même souffrir. Je pense qu'on va vite passer sur du 4-4-2 en phase défensive parce que Basic et Adli, il va falloir qu'ils défendent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que ce n'est pas quand même aussi leur qualité numéro un sur le terrain. Après, c'est pareil, peut-être échanger Kalou et Oudin de côté parce que Oudin, gaucher, Sabali qui rentre toujours sur son pied droit quand il joue latéral gauche, je pense qu'ils vont se marcher peut-être un petit peu sur les pieds. Mais voilà, après, par contre, dans le schéma, ça ressemble beaucoup à ce que semble avoir voulu faire Gassé depuis le début de saison. Voilà, on sait que sur les côtés, de toute façon, au niveau latéraux, on a beaucoup, beaucoup de mal, et offensivement et défensivement. Voilà, le schéma ressemble à ça. Après, devant, oui, Briand, peut-être que dans ce schéma aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est le meilleur, mais c'est le moins mauvais de ce qu'on a pu voir dans ce schéma-là. Donc, ce n'est pas incohérent de le remettre titulaire dans cette équipe. Joe? Il s'est basé sur le système Gassé, déjà, c'est clair et net. C'est ce qui a été utilisé le plus souvent cette saison, donc ça, je comprends tout à fait. J'hésitais aussi à faire pareil. Kouateng, effectivement, quand tu as un milieu droit, et effectivement, il serait intéressant dans ce rôle-là, clairement, avec une aide d'un milieu. Sabali à gauche, c'est plus ça qui me gêne un petit peu. Moi, dans ce système-là, je laisse Benito, parce qu'il est censé s'occuper que des phases défensives. Donc Benito pourrait très bien le faire. Après, moi, ce qui me gêne, c'est effectivement le milieu. Moi, ce qui me gêne dans la compo actuellement, c'est Otavio Basic. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Donc Basic, Adli, oui. Pour un match, comme on l'a vu, contre Dijon, ouais. Contre Lyon, Monaco, Paris, ça me paraît un peu compliqué. Donc
Pourquoi pas plutôt Otavio, effectivement Otavio Adli ou Otavio Zerkan. Voilà, effectivement, oui. Mais après, dans le système offensif, comme j'ai dit, moi, la problématique, c'est les ailiers. On peut tenter, j'ai l'impression qu'on tente 10 000 choses, en fait, dans ce côté-là, on ne trouve pas la solution. Mais sur le papier, la compo est très bonne. Hein. Brillant, il fera le boulot, il te marquera les 10 buts s'il est titulaire régulièrement, hein, de toute façon, dans sa saison. Mais l'animation offensive, pour moi, va être compliquée encore là sur cette compo-là. Voilà. Conan, est-ce qu'il y a des réactions sur le chat? Ton avis, toi aussi, sur la compo de Gino, qui sort Otavio, qui sort Benito et qui met pas Zerkan, par exemple? Ben justement, moi j'ai un peu plus de, je suis un peu plus sceptique on dirait sur cette compo-là, justement par le fait quand même qu'on a beau dire qu'Otavio certes cette saison pour l'instant c'est un peu une faiblesse sur les derniers matchs, mais personnellement je suis quand même plus rassuré d'avoir Otavio derrière tout seul en ratisseur. C'est quand même là la saison dernière chaque fois qu'il était seul qui nous a rassurés. Sabali, ça me gêne de le voir sur le terrain parce que ben, pour moi il est out. Après c'est vrai que comme dit sur le chat certains, son meilleur match cette saison ça a été quand il a été à gauche, donc à voir. Adli, j'ai un problème avec lui, c'est que j'ai l'impression qu'il est performant comme d'autres aussi le disent sur le chat que quand il rentre en cours de match. C'est souvent quand il est titulaire, c'est pas trop ça. Et devant, encore la compo me gêne pas trop, mais à moins que Oudin se move un peu, pour moi, je ne mettrais pas Oudin. Après, sur le chat, bah, Gino, sur le chat, tu fais un peu le yo-yo. Il y en a qui te disent bravo et puis il y en a C'est qui normal. sont pas du tout contents. Après, comme il a dit, il a fait faute de mieux. Il a fait faute de mieux, Ouais, de toute façon, clairement. franchement, oui, j'ai fait en me basant sur un syndrome un peu de réalité quelque part par rapport à Gassé. J'ai pris l'effectif tel qu'il est et je trouve qu'il est très faible. Alors après, on peut changer le système de jeu. Et moi, je préférais jouer comme faisait Souza, par exemple. Ça me plaisait beaucoup plus. Maintenant, je me dis que malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Et je me dis que le système Gassé, à mon avis, va rester pas mal. Et je pense que c'est mieux par rapport au profil. J'ai utilisé plus des profils de joueurs différents à certaines zones du terrain qu'un système où j'ai changé globalement de système comme vous. Mais franchement, hein, je préfère voir quelque part si ça marchait mieux. Qu'on change de système, ça ne me dérangerait pas du tout. Je me suis basé plus sur changer certains profils par rapport à la composition de Tu Gassé. mets des créateurs aussi. Tu sors Oui, Otavio qui joue pas vers l'avant. Adli Tu mets m'intéresse Adli, Ben plus Arfa, que. Basic, Voilà. Oudin. C'est des joueurs de ballon, tout ça. C'est plus. Le profil d'Adli m'intéresse plus dans ce changement, on va dire, que par exemple Otavio, et je trouve que c'est un choix fort. Après, comme l'a dit très bien Philippe, ça peut être handicapant aussi quand tu joues contre des grosses équipes et où il va falloir, pardon, défendre. Donc, il faut quand même que ces joueurs ils soient à un certain niveau. Mais Adli, pour moi, de ce qu'on l'envoie et ce qu'on n'en voit pas assez pour l'instant, j'aimerais qu'on le mette à une position qui est quand même très importante dans ce milieu de terrain, que ce soit lui, par exemple, qui fasse le relais entre la défense et Ben Arfa. Ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Car on sait qu'Adli, dans ses qualités, il est capable de jouer vers l'avant. Donc, c'est à lui maintenant d'être régulier. Et un poste comme ça, le voir jouer, ça pourrait m'intéresser quand même de voir ce que ça donne. Bon, Et face à c'est Dijon, vrai ça a qu'il a bien une bonne marché. complémentarité avec Ben Arfa, ils se trouvent à chaque fois bien les deux quand ils sont ensemble. Ouais, Joe. Non, le duo Basic-Chadli contre Dijon, ça a très bien marché. Face à des équipes où tu es censé avoir le ballon comme contre Dijon, cette Bien compo-là, sûr, elle est très bonne. Comme, ouais. ouais, c'est ce que je dis. Enfin, voilà, face à Dijon, j'avais peur quand Otavio avait été suspendu. Finalement, c'était l'un des meilleurs matchs qu'on ait fait techniquement, entre guillemets. Bon, c'était Dijon aussi qui est dernier. Hein. Mais ce milieu-là avait apporté beaucoup dans la création et dans l'apport offensif. Voilà, je vois que vous commencez à arriver en nombre. Hein. Merci d'être avec nous pour cette émission un peu spéciale, à un horaire où on n'a pas l'habitude de faire d'émission. Merci à vous. Envoyez du like. Et ensuite, on vous proposera, avant de terminer, une offre avec le vignoble Château Enclos au Mazères de Johan, qui est supporter des Girondins. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin. Messieurs, on enchaîne sur la prochaine compo ou pas? Ouais, allez, on enchaîne les compos, c'est parti. Ça va être la compo de Philippe. Alors Philippe, ta compo, elle est dite en sapin de Noël. Ancelotti Voilà. style, quoi. Ancelotti, ouais, c'est ça, hommage à Ouais. Ancelotti. Oui, vous allez la voir. Elle va apparaître sur votre écran parce que c'est bientôt Noël, donc Philippe, il fait selon les saisons. Ça, c'est la compo de saison. Voilà ta compo, elle s'affiche. Je te laisse la commenter.
Moi, je suis parti de trois constats. Un qui n'est pas sportif et deux autres qui sont sportifs. Le premier qui n'est pas sportif, j'ai essayé de faire une compo avec aucune fin de contrat 2021. Très Donc, bien. en enlevant Sabali, Depréville, enfin, tous ces joueurs-là, non pas que je leur en veux, pas plus qu'aux autres, pas moins qu'aux autres, mais pour essayer déjà d'anticiper, j'ai gardé que Pablo, parce que pour moi, Pablo, ça reste supérieur à Baïs, même si on peut toujours en discuter. Et après, deux constats sportifs. Le premier, je l'ai déjà dit, pour moi, on est trop léger en milieu de terrain. Donc, ce milieu à trois, c'est peut-être idiot de juste rajouter un joueur, mais en tout cas, ben, ça amène quand même un petit peu de densité, notamment quand on n'a pas le ballon. Voilà, donc je suis parti sur Basic, pardon, Adli et Zerkan. Je mets pas Otavio à la cave, il faut juste, je veux voir une fois Adli, quoi. Je veux voir une fois qu'on le mette devant ses responsabilités, qu'on lui donne un ou deux matchs. Si ça ne matche pas, à ce moment-là, on aura toujours Otavio sous le coude qui fera le job dans ce système-là. Et ensuite, derrière, de toute façon, pour moi, les latéraux, des latéraux qui apporteront offensivement, on n'en a pas. Donc, de garder Benito et Kouaten, pour moi, ça peut nous permettre, justement, avec Adli en 6, de garder une base solide. On peut passer à 3 centraux en phase offensive en gardant Benito, Pablo Koscielny ou Pablo Koscielny-Kouateng et en laissant Adli pas tout seul en 6 en milieu de terrain. Et mettre de la densité dans l'axe, puisque de toute façon, on va me dire, ouais, mais on centre jamais, mais centrer pour qui? Voilà, aujourd'hui, on a vu que Maja, il sent jamais trop les ballons sur les centres. Donc autant mais se concentrer dans l'axe, on a des joueurs capables d'éliminer des Basic, des Erkan et un peu plus haut. Des Houdin, des Ben Arfa, qui peuvent aussi frapper. Et pour leur laisser de la place à ces joueurs-là, ben, j'ai mis Wang, qui va courir devant. Donc, pour moi, on ne mesure pas assez la qualité de ses appels. C'est sûr qu'en termes de finition, même si là, il a donné deux buts contre le Qatar, mais ce n'est pas du tout par rapport à ça que moi je le juge. C'est pour donner de l'espace, en fait, à Houdin et Ben Arfa. Voilà, même des solutions sur les quelques récupérations de ballon, ou peut-être que sur un jeu long, un Basic, je peux le trouver, en étant peut-être un peu moins sur des tâches défensives. Et un peu plus sur des tâches offensives. Voilà, donc une compo très axiale, mais parce que pour moi, sur les côtés aujourd'hui, on n'a pas les joueurs pour. Un Kalou peut jouer à la place d'Oudin. Pour moi, il peut jouer sous un attaquant comme ça à deux. C'est un système où, je répète, on peut passer à trois défensivement, on peut se replacer en 4-4-2 défensivement avec un Oudin qui peut faire les efforts côté gauche et Zerkan défensivement qui peut aller chercher côté droit comme il l'a fait au dernier match, puisqu'il l'avait aligné quasiment en ailier droit. Donc voilà, je pense que je ne la verrai jamais, cette compo, en tout cas pas dans ce système-là. Mais moi, j'aimerais une fois essayer mettre les quelques joueurs de ballon qui nous restent, les Adli, Basic, Zerkan, Ben Arfa, Houdin, et les aligner ensemble. Voilà. Peut-être à Rennes. À Paris, ça serait plus compliqué, mais pourquoi pas à Rennes et puis dans la prospective du prochain match contre Brest à la maison. Gino, ton avis sur la compo de Philippe? Moi, j'avoue, là, je suis comme ça, là, avec ton Non. explication, je suis séduit. Très intéressant. Hein. Notamment Adli, dans ce poste-là. Il pourrait avoir une certaine liberté de relancer le jeu, tu vois ce que je veux dire? Être quand même un maillon essentiel de l'équipe. Je trouve ça vraiment intéressant. Et après, non, non, franchement, avec de bonnes explications, comme il a dit Philippe, je trouve l'idée très bonne. Après, Wang, le mettre en œuvre, pourquoi pas? On voit qu'avec la Corée du Sud, il est capable de faire de très bonnes choses. Maintenant, ça reste à voir en Ligue 1, mais dans l'aspect, on va dire, de faire des appels et d'ouvrir les espaces pour les autres, c'est vrai que c'est un joueur qui n'est pas avare d'efforts. Donc, pourquoi pas? Joe? Je vois l'idée un peu de Adli au milieu à la Pirlo. Un petit peu, tu vois, le joueur qui était très très bas sur le terrain et qui faisait le jeu, qui dictait le jeu. Je vois un petit peu l'idée dans ce côté-là. C'est assez séduisant, hein, clairement. Dans un match où on a le ballon, clairement, ça pourrait être très intéressant. Maintenant, ce qui me gêne, c'est Wang en pointe. On sait très bien qu'il dézone beaucoup, qu'il part surtout sur les côtés, qu'il est rarement dans l'axe. Moi, c'est ce qui me gêne un petit peu avec lui. Donc après, voilà. Oudin à côté de Ben Arfa dans ce rôle-là, j'ai l'impression qu'il va être transparent. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va être effacé complètement. Basic et Zerkan, j'ai rien à dire. Ça rejoint un petit peu l'idée que j'avais sur le milieu à 3 aussi, enfin le milieu à losange, mais avec Zerkan et Basic qui étaient dans le même rôle, même juste un chouïa plus haut. Ce qui me gêne un petit peu, c'est la défense à gauche, Benito Pablo. Ça, ce côté gauche, là, les deux, là, à chaque fois, cette saison, c'est pas au niveau du tout, ça me gêne beaucoup, beaucoup. Mais après, franchement, c'est une idée moi que j'aimerais bien voir sur le terrain, hein, clairement. Je ne pense pas qu'on la verra, clairement, c'est sûr. Mais l'idée me paraît très intéressante. Contre le PSG, j'y crois pas trop.
Mais voilà, contre Brest à domicile, Dijon, etc., Nîmes, c'est quelque chose à tenter clairement, quoi. Philippe, je te laisse répondre aux objections hein, sur ta compo hein, qu'ils ont faite. Alors Pablo, il est fin de contrat de 2021, hein, mais tu l'as Ouais, dit, hein, je mais crois. Ouais, il a dit. tu l'as dit. C'était le seul, mais même moi, dans mon choix, voilà, s'il y avait une recrue à faire au mercato, il n'y en aura pas ou un prêt, mais de trouver un latéral gauche, pas profil défensif, mais profil latéral gauche, et pourquoi pas recentrer Benito, et à ce moment-là, voilà, avec Koscielny et Benito, alors certes, ce n'est pas des rapides, mais on a quand même deux joueurs capables de faire des sorties de balles propres. On peut le reprocher beaucoup de choses à Benito, mais pas quand même quand il a le ballon dans les pieds, sur du jeu court ou mi-long, ce n'est pas si mauvais que ça. Il pourrait trouver Adli, il pourrait trouver Basic orienté vers l'avant. Et à ce moment-là, trouver un latéral gauche, puisque on avait parlé de Bessilé, mais j'ai cru comprendre que Bessilé, même s'il joue latéral avec le Togo, c'est quand même plus un profil axial. Et puis Gasset n'a pas pu le voir, puisqu'il est parti 15 jours en sélection, donc il n'a pas pu le tester, le faire travailler. Donc voilà, on est toujours sur cette pénurie de vrai latéral gauche. Même l'équivalent d'un Boateng me suffirait presque pour recentrer Benito. Et à ce moment-là, en janvier, se dire à Pablo. Wabaï, ça fait un des deux. Mais les gars, ça sera fini en juin, donc trouvez-vous un truc. Et puis après, voilà, surtout ce milieu à trois. Et je répète, moi, Wang, c'est pas tant son rôle devant le but que j'attends. C'est vraiment, au contraire, sa capacité à pouvoir ouvrir des espaces. Et derrière, je trouve qu'un brillant peut avoir le même profil et faire le reste du boulot. Wang jusqu'à la 60e et Briand 30-25 minutes en fin de match, pareil, en ouvrant des espaces à Ben Arfa. Ça lui a beaucoup manqué, je trouve, sur le dernier match contre Montpellier, Ben Arfa. Il s'est empalé sur la défense parce qu'en fait, Maja bougeait pas. Donc, il est venu s'écraser sur ses petits exploits individuels, mais parce que devant, ça bougeait pas et c'était un peu facile pour Montpellier, à mon sens, de défendre dans ce cas-là. Donc, voilà, ça serait un essai. Pour moi, ça donnerait à la fois de la densité défensive pour être quand même un petit peu moins en difficulté et en se permettant de tenter Adli. Mais je répète, je mets pas Otavio à la cave et c'est pas le but. Parce que Adli, de toute façon, il n'aura pas la caisse non plus pour moi pour enchaîner les matchs, pas encore. Et puis, il y a un match à Paris aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'un Otavio, par exemple. Il va falloir courir et on sait que pour ça, il viendra combler des brèches. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre un peu nos joueurs de foot sur le terrain et puis essayer de leur donner confiance. Voilà. Un Bakoua peut peut-être venir jouer quelques minutes à la place d'Oudin, par exemple. Traoré, ça serait plus compliqué parce qu'apparemment, il a plus son profil de vrai ailier. Mais voilà, moi j'aimerais voir ça une fois, et pourquoi pas sur un match à domicile contre une équipe de notre championnat, comme dirait Costil, pour voir ce que ça peut donner. Conan, est-ce que les chatters sont hypés par cette composition d'équipe? Et puis toi, tu peux nous dire également ce que tu en penses. J'ai vu qu'il y avait des questions sur les couloirs qui étaient laissés un peu, ils disent, vides, accessibles. Il y a une question ouais, qui a été posée comme ça. Après, ça a été, je dirais que c'est une question un peu rhétorique comme elle a été posée, parce que c'est plus, je dirais, dans le doute, dans le doute de est-ce que laisser les couloirs vides, ça serait quelque chose de dangereux ou pas. Mais la question a l'air d'être plutôt tournée sur le fait que ça pourrait quand même être un jeu séduisant. C'est juste qu'on n'a jamais eu ça à Bordeaux. La réponse sur de Philippe sur les couloirs, le fait de laisser les couloirs comme ça. Alors, c'est juste une image. Après, les joueurs, ils bougent hein, sur le terrain. Et ta réponse aux couloirs? Alors, les couloirs ne seront pas vides défensivement parce qu'un Oudin, il peut venir, comme j'ai dit, se replacer côté gauche et repasser un bloc bas médian sur un 4-4-2 avec Zerkan qui ferait un petit peu plus les efforts côté droit. Et après, offensivement, attention, je n'ai pas dit qu'on n'allait pas y aller. Moi, je dis juste que les latéraux aujourd'hui, ils n'ont pas spécialement les profils et les qualités pour nous apporter. Par contre, alors attention à la comparaison, mais quand on voit le match de Rabiot l'autre soir, est-ce qu'un Basic, il ne peut pas aller plonger sur ce côté gauche et amener, lui justement, amener des bons ballons dans la surface avec son pied gauche, plutôt que de le faire jouer faux pied, moi, où je l'aime moins. Ben Arfa est capable, alors, pas de jouer ailier, mais de s'excentrer, de venir jouer des un contre un côté droit. Et évidemment, un Wang, lui, son rôle dans ce système-là, ça serait justement lui. D'amener un petit peu de largeur offensive et d'essayer de faire dézoner un peu une défense centrale pour justement permettre à Oudin et Ben Arfa de rentrer plein axe et de pouvoir jouer leur rôle de provocateur ballon au pied. Voilà, c'est pas. D'accord. Moi, ce que Je ne j'aime. dis pas que c'est un système simple, mais attention, on ne laisse pas les couloirs complètement vides. Et là, c'est un positionnement, mais après, dans l'animation, évidemment, il va falloir y aller un petit peu quand même. Est-ce qu'il y a des équipes qui jouent avec ce système en France, en Europe? Oui, t'en as quand même.
notamment ce milieu à 3. Tu as beaucoup de milieux à 3 comme ça, ça arrive. Notamment Monaco le faisait pas mal sur certains matchs, on en avait parlé, avec des profils différents où il laissait Fabregas justement dans la position d'Adli. Mmh. Tu vois, où il avait la liberté de notamment donner les ballons et créer du jeu. Après, il a des complémentarités différentes au milieu du terrain, avec des mecs comme Tchouaméni qui vont faire beaucoup d'efforts, Fofana, notamment qui ont beaucoup d'activités et autres, quoi, par exemple. Mmh. Philippe, tu t'es inspiré d'une équipe en particulier ou tu t'es adapté J'ai l'impression que tu t'es adapté aux joueurs et à leurs qualités. Ouais, mais très sincèrement, en la prenant à l'envers, si on regarde sur l'aspect offensif, aujourd'hui, on a quand même un souci par rapport à Ben Arfa. C'est-à-dire qu'il faut lui donner beaucoup de liberté, mais on sait que défensivement, c'est pas un joueur. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable et il fera 2-3 retours défensifs, on ne parlera que de ça, mais sur la durée du match, c'est pas quand même, il n'est pas là pour ça. Donc automatiquement, dès qu'on est sur un milieu, un 4-2-3-1 par exemple, il faut vraiment que les deux milieux de derrière soient toujours en train de compenser, soient toujours très proches l'un de l'autre. Si vous avez vu 2-3 vidéos passer sur Internet, on voit il y a un écart monstrueux, par exemple, entre Otavio et Basic quand ils jouent. Et comme Ben Arfa fait très peu d'efforts de replacement axial, ben les milieux, ils se régalent. On a vu Savanier rentrer là-dedans, on a vu Mollet. Moi, j'ai le souvenir de Depay qui avait été très mauvais, mais par contre, venait toujours dans cet espace-là, on le trouvait tout le temps. Aouar, quand il était rentré en début de saison, voilà. C'est un espace de jeu aujourd'hui, on n'a pas du tout. On laisse ouvert et on pourrait très très vite se faire sanctionner, mais comme l'a très vite fait Montpellier sur le dernier match. Donc, ce n'est pas une inspiration, c'est aussi s'adapter un petit peu par rapport à Ben Arfa. Et puis, aujourd'hui, on a un mec comme Moudin qu'on a fait signer jusqu'en 2024, qu'on a payé cher. Je me dis, à un moment donné, soit il va falloir tout mettre en œuvre pour le mettre en valeur et donc le faire jouer pour essayer de le revendre, soit il faut vraiment à un moment donné lui donner de la confiance. Et pour moi, l'exiler sur un côté dans un 4-4-2, voire dans un 4-2-3-1, à mon sens, aujourd'hui, ce n'est pas la solution numéro 1. À un moment donné, il va falloir qu'il plante pour prendre confiance et donc qu'il soit quand même plutôt recentré. Mais c'est une idée comme une autre. Et pourquoi pas de Préville à ce poste-là, même si techniquement, évidemment, il n'amènerait pas du tout la même chose. Donc, on peut s'apercevoir que de Préville est le grand absent de vos trois compositions d'équipe, hein, quand même. C'est voilà. Ce qu'il dit sur le chat. Pour moi, c'est par rapport au contrat avant tout. Oui, par rapport au contrat. Joe et Gino, pourquoi vous n'avez pas mis Nicolas Depréville sur vos deux compos? Par rapport au profil, moi, je préférais Kalou, par exemple, sur le côté droit, être plutôt explosif, capable de déborder, dribbler. On a très peu ce profil dans l'équipe par rapport à ça. Houdin aussi, dans un autre style, qui est capable de mettre quand même des bons ballons avec son pied gauche. Qui a un pied gauche aussi qui est intéressant à mon sens. Donc voilà, et de Préville étant ce qu'il est en ce moment, qu'il est beaucoup moins bien, je voyais plutôt dans un rôle de joker. D'accord. Et toi, Joe? Moi, dans mon compo, le seul endroit où je pouvais être, c'était avec dans les deux attaquants. Et moi, je préfère Kalou, clairement. Je préfère Kalou titulaire que de Préville actuellement. Et Maja, parce que c'est censé être notre buteur, clairement, il a été recruté pour ça. Il n'a pas montré, mais les buts qu'il a mis, je me rappelle du but contre Nîmes, son premier but contre Nîmes, où c'est un centre au premier poteau, il arrive à couper, il met le pied où il faut, comme il faut, et voilà, il a le sens du but. De Préville ne l'a pas. Pour lui, lui peut jouer sur un côté, sur ma compo, il n'y a pas d'ailier, justement. Donc pour moi, il n'a pas vraiment sa place dans cette compo-là, sauf attaquant. Et pourquoi pas rentrer en cours de match, mais j'ai plus hésité avec Briand, voire Wang devant que de Préville. De Préville, pour moi, était déjà hors concours par rapport à la compo et par rapport à ses performances aussi de début de saison, où je trouve hors sujet et pas concentré sur ce qui passe sur le terrain. Bon, Conan, pour conclure sur la compo de Philippe, est-ce qu'il y a des remarques sur le chat? J'en affiche la compo et ensuite on va passer à la compo de Kevin qui nous a envoyé sa compo cette semaine. Il y a des remarques, certaines pas forcément, on dira des plus gentilles, comme par exemple, il y a une personne qui t'a demandé si tu as bu quand tu as fait la compo, Philippe. Et surtout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques sur Pablo, ils ne veulent plus le voir. Par contre, l'idée de Wang en pointe a énormément séduit. Pourquoi, juste une dernière question, Philippe, pourquoi Pablo à la place de Baïs? Alors pourquoi Pablo à la place de Bates? Parce que pour moi, Bates, s'il joue, il doit jouer à droite. Si tu le mets à droite, tu es obligé de redécaner Koscielny à gauche, qui aujourd'hui, moi je trouve, sur la première lance, est plus utile à droite. Et voilà, je ne suis pas un fan de Bates, je ne l'ai jamais caché, je ne le cache pas. Moi, le côté, le mec formé au club et compagnie, ouais, mais bon,
Moi, j'attends pas ça de lui. Et après, pour moi, autre point, mais je l'ai pas dit, il y a eu une époque quand même où Pablo, il a pas mal marqué de la tête. Quand tu n'es pas très bon dans le jeu, tu peux te servir des coups de pied arrêtés. Et je trouve que pour ça, offensivement, il peut nous apporter. Après, je répète, pour moi, je préférais qu'on trouve un vrai latéral gauche, voilà, avec plus de profil et recentrer Benito. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, Pablo reste au-dessus de Baïs. Mais si un mec me dit l'inverse, je lui en veux pas. Hein. De toute façon, il revient de blessure, ça peut être long. Les 15 jours ont peut-être lui ont peut-être fait du bien là, parce qu'il a pu refaire un peu de réathlète. Il a repris très très vite quand même. Mais voilà, on sait qu'à Rennes, par exemple, on ne va pas se poser la question vu qu'il est suspendu et que ça sera Baïs qui jouera là. Donc voilà, mais il faudrait réinverser la charnière. Et moi, je trouve que garder Koscielny à droite, c'est pas mal. D'ailleurs, en parlant, tu parlais de la tête, de ses qualités à Pablo de la tête. Vous avez vu cette stat qui est sortie il y a quelques jours de Opta où Pablo était dans le top 5 européen des joueurs qui gagnent le plus de duels de la tête. Voilà, tu es cinquième. C'est sa qualité numéro 1. Hein. Voilà, dans les duels, il est présent. Donc ça peut appuyer ta composition d'équipe. Bon, voilà. Alors, j'ai préparé la compo de Kevin. Kevin, c'est un supporter des Girondins qui nous l'a envoyé. C'est un 4-2-3-1. Je vous l'affiche. La voici. Alors lui, il a fait le choix de Loïc Bessilé et de Paul Baïs. Donc Loïc Bessilé, latéral gauche, ce jeune joueur des Girondins qui est titulaire avec le Togo à ce poste. Vous en avez parlé tout à l'heure, je crois que c'est toi Philippe. Koscielny, Kouateng, on voit aussi beaucoup Kouateng qui revient dans vos compos. Il a fait un milieu entre Zerkan Basic, toujours Ben Arfa par contre dans le cœur du jeu, ça c'est une constante dans toutes les compositions d'équipe. Oudin à droite cette fois-ci, Maja et Kalou. Bon, c'est du classique. Hein. Après, je ne sais pas si vous avez des remarques sur sa compo. C'est du Gassé, sur se baser sur le système Gassé ou Gino. Je ne sais pas qui a créé ce système. Oui, oui. Non, pas moi, non. Mais après, voilà, Béchili, oui, Bakwa, Traoré, etc. Oui, le problème, c'est qu'on ne les a pas vus encore. Donc, c'est compliqué de jauger, de mettre titulaire ces joueurs-là. Sachant qu'on ne les a pas vus encore vraiment. On les a vus rentrer sur le terrain 5-10 minutes, un quart d'heure. Mais on ne connaît pas encore vraiment leur potentiel. Donc, c'est compliqué de mettre ces joueurs-là sur une composition pour moi. Sachant qu'on ne les voit pas trop à l'entraînement non plus, ni rien. Donc, Bessilé, oui, ça fait un moment qu'on en parle qu'il peut jouer à gauche. Un jour, ça sera fait dans la saison, on le verra, je suis persuadé. Et on verra ce que ça donne. Mais après, le système Basic au milieu, oui, c'est intéressant. Kaloudin sur les côtés, Ben Arfa, Maja. Mais Maja seul en pointe, pour moi, encore une fois. Moi, si je l'ai mis titulaire, c'est parce qu'il avait quelqu'un à côté. En pointe tout seul, Maja, il ne servira à rien pour moi. Trop lent, pas assez mouvant, pas le sens du jeu. Voilà. Allez, il y a Conan qui a une compo. Il m'envoie un message, il me dit moi aussi j'ai une compo. je l'ai pas illustré ta compo, tu me l'as pas envoyé, Conan. Donc je te laisse exposer ta compo, Conan, pour l'expliquer à ceux qui nous regardent et à nous. Moi, la compo que j'ai, parce que ça fait un petit moment que j'arrête pas de dire que moi j'aimerais quand même laisser un peu la place, la chance aux jeunes de pouvoir montrer leur envie aussi sur le terrain, parce qu'on peut afficher n'importe quelle compo, comme même une personne a dit sur le chat. Ce qu'il va falloir aussi aux joueurs, malgré tout, c'est de l'envie. Et donc, du coup, moi, dans ma compo, elle est identique en défense à celle de Kevin, Costileux dans les buts classiques, forcément. Bessilé, que je mettrai sur la gauche, Kouateng à droite, et Baïs et Koscielny au milieu, en défenseur central. Ouais. Après, par contre, en partant sur un 4-4-2, en losange, je mettrai Ottavio, donc, en milieu défensif. Je mettrai Kalou à droite, avec Zerkan à gauche. Ben Arfa, juste derrière les attaquants, et Wang et Maja en pointe. Sauf que à la place de Maja, c'est sûr, comme on l'a dit, on n'a pas vraiment assez de données sur tous les jeunes, mais j'aimerais bien essayer le Bakwa qui, pour l'instant, sur le peu de rentrée, m'a quand même bien séduit à la place de Maja. Est-ce qu'il y a des équipes qui jouent avec deux attaquants de pointe aujourd'hui? C'est une question que je lance comme ça. Le PSG, à un moment donné, joue avec Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar. Mais bon, c'est le PSG avec les joueurs qu'ils ont. Ouais. Mais c'est plus rare. C'est vrai que c'est plus rare qu'avant. Ça devient de plus en plus rare. Je trouve ça dommage, ouais. Justement, mais notamment en Ligue 1. J'ai l'impression qu'en Allemagne, ça se voit un petit peu plus quand même. J'ai des bribes de composition parce que je regarde souvent le foot allemand. Après, c'est très mouvant le foot allemand. C'est quand même un foot qui est basé sur l'attaque. Donc, tu as l'impression qu'il y a 10 joueurs qui attaquent à chaque fois dès qu'il y a une façon une attaque en Allemagne. Mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare.
Ça reviendra à un moment donné parce que deux attaquants, quand ça combine bien les deux, et quand tu as un bon passeur derrière, c'est toujours quelque chose de très intéressant, offensivement, après, voilà. Après, pour expliquer vite fait la compo, quand même, pour les joueurs que j'ai choisis, bon, défense pour moi, c'est une défense que je trouverais solide. Ça, comme tout le monde, on a à peu près les mêmes joueurs. Mais certes, on n'a pas les joueurs, comme disait Philippe, des joueurs latéraux qui ont la capacité et surtout l'instinct de pouvoir aller devant, nous ramener des ballons en centre ou autre. C'est pour ça qu'en fait, je mets Kalou et Zerkan sur les côtés. Et c'est plutôt à eux que je confierais le rôle d'apporter en fait offensivement sur les côtés. C'est Kouateng, à chaque fois on le voit, c'est soit il est sur un match il est bon attaquant, soit il est bon défensivement, mais il n'arrive jamais à être constant sur les deux en un seul match. Du coup, en le concentrant sur un seul point, ça pourrait aller baisser. Pour l'instant, il a l'air de bien répondre rien que sur la sélection avec l'Égypte. Après, bien sûr, c'est pas les mêmes niveaux, mais ça m'a bien plu. J'ai regardé le match de l'Égypte où il a joué. Et Ben Arfa, bon, comme tu l'as dit, Nico, il est classique dans le centre. Hein, c'est l'animateur principal sur lequel tout va tourner autour. Wang, pour moi, c'est s'il joue avec Maja en paire, c'est en fait pour que Maja lui distribue les ballons. Parce que comme on le voit, Wang, il sait faire des bons appels. Il court, il se donne à fond et il est capable autant de mettre un ballon de la tête que aussi de décrocher des bonnes frappes en extérieur de surface. Donc pour moi, ça serait un bon duo qui pourrait se faire, sachant que Maja, lui, sera efficace que si c'est Wang qui a le ballon et que Maja se retrouve devant en surface juste pour recevoir le ballon et frapper. C'est plus un renard de surface de toute façon, Maja. Bon, messieurs, on Juste par a. rapport à Oui, Bonan, ouais, vas-y, par oui, rapport bien à sûr, sa vas-y, compo, Gino, oui. trouver l'idée du 4-4-2 en losange et tout, comme l'avait dit un peu Joe aussi, dans un autre style, avec des joueurs différents, on va dire, mais très intéressante. Par contre, est-ce que tu n'aurais pas peur, par rapport à une composition comme ça, que concrètement, Otavio, il prenne l'eau au milieu de terrain? Parce qu'il serait quand même assez seul dans les tâches défensives. D'accord, avec Gino, au niveau de l'équilibre, ça me paraît un peu léger au milieu. C'est pour ça, et comme on n'a pas une qualité collective qui te permet, justement, comme l'année du titre, où on se permettait de faire des 4-4-2 un peu comme ça, Conan, hein, mais tu avais Diarra qui était en sentinelle, qui était quand même énorme, et tu avais des joueurs quand même qui, collectivement, avaient beaucoup plus de facilité, notamment dans la possession et dans le jeu où on dominait largement l'adversaire. Alors ça, c'est vrai que ça pourrait être un problème, et en fait, pour moi, c'est tout tourner sur Otavio. Parce qu'en fait, certes, cette saison, Otavio, on a l'impression qu'il a vraiment perdu, et pas qu'un seul palier de niveau, il en a perdu plusieurs, et au fur et à mesure des matchs. Mais je me dis que s'il retrouverait le niveau de l'année dernière, je l'ai vu sur tous ses matchs, j'ai suivi tous les matchs, et Otavio tout seul derrière, je sais qu'il peut casser la baraque. Je sais qu'il est capable de pouvoir maintenir à flot les choses avec bien sûr Koscielny, qui est quand même un bon visionnaire du jeu, qui peut au cas où replacer les personnes. Mais s'il retrouverait son niveau, j'aurais une totale confiance en Otavio là-dessus. Philippe, un Après, mot? par contre, le risque, c'est la Oui. cassure. Ouais. Philippe, bon, messieurs, voilà, c'est fini et on va pas faire plus longtemps sur les compos. Est-ce que vous voulez un mot pour conclure, Philippe, sur ce que tu as vu, sur les idées? Bon, ça tourne quand même autour des mêmes compositions d'équipe, hein, j'ai le sentiment. La défense, elle est quasiment. C'est une défense à 4. Hein. Personne n'a proposé une défense à 3. C'est soit deux milieux défensifs, soit un milieu à 3. Et devant, on a toujours Ben Arfa dans le centre du jeu, au cœur du jeu. Ouais, mais de toute façon, vu les profils de joueurs qu'on a, il y a pas, c'est compliqué d'inventer beaucoup de choses avec, pour le moment, avec cet effectif. Moi, voilà, si j'avais une lubie et une envie, et j'aimerais bien que Gasset, surtout sur les deux matchs qui arrivent, mette quelque chose en place, je répète, c'est nous remettre un peu en surnombre, ou au moins en égalité numérique en milieu de terrain, parce que je trouve que vraiment, c'est un secteur où on souffre. On peut aligner les duos qu'on veut, j'apporte les joueurs. Bazic et Otavio, moi, je trouve qu'ils ont du mal, ils ne sont pas complémentaires, on a l'impression qu'ils ne communiquent pas. Moi j'aime beaucoup Zerkan, voilà, mais après il faut le voir dans un duo. Et Adli dans un milieu à deux sur un match difficile, est-ce qu'aujourd'hui on peut le tenter ou pas? Je ne sais pas. Donc j'aimerais vraiment qu'on revienne sur un milieu à trois, qui laisse encore plus de liberté à Ben Arfa, puisque de toute façon le but c'est à lui de lui laisser de la liberté offensive.
et de nous mettre un petit peu moins en difficulté, au moins numérique. Voilà, commencer par là. De toute façon, on voit aujourd'hui, Rennes joue à 3 milieux, Paris joue à 2 milieux et demi, 3 milieux. Donc, si nous, on se retrouve avec nos deux milieux qui ne sont pas en confiance et qui courent partout, et Otavio qui prend un jaune à la 20e, je pense que les matchs vont être vite être compliqués. Donc, voilà, si j'avais un souhait, c'est celui-là. Après, je suis persuadé qu'on va rebouffer du 4-2-3-1, donc je ne rêvais pas plus que ça. Je suis en train de vous remettre les compos. Hein. Compos de Gino, compos de Joe, compos de Philippe. Un mot, Joe, pour conclure ? Non, mais oui, le système Gassé, je pense, de toute façon, va rester. Ça, clairement, je pense qu'il est parti sur ça. Comme j'ai dit, j'ai étudié les compositions de Gassé. Il y avait quand même 8 matchs sur 10 où il est parti sur le 4-2-3-1. Voilà, la problématique, moi, de ce que j'aurais de cette compo, c'est les ailiers qu'on n'arrive pas à trouver. Peut-être que les Traoré, les Bakoua, Kalou qui va revenir, apporteront peut-être quelque chose de différent. Traoré, j'aimerais bien le voir aussi un peu plus haut, notamment en pointe, parce que je pense que c'est son rôle et qui peut être très intéressant à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, il y a eu pas mal d'idées, il y a eu des choses assez innovantes. Donc, je pense qu'il y a pas mal de bons coachs quand même dans l'émission et dans ce que nous suivent quand même, je trouve. Voilà, bon, bah, écoute, c'est super. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, messieurs ? À la rigueur, moi, je vais rajouter que sur le chat, il y en a beaucoup, par contre, qui parlent de Jovanovic, qu'ils auraient bien aimé voir apparaître quand même sur une de nos compos. Ouais, bon, je sais pas pourquoi ouais, d'ailleurs. Ils aimeraient ça. Ouais. Je les comprends pas. Ouais, Gino. Non, c'est pareil, ouais, je suis un peu comme toi, Nico. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu leur chance aussi, qui ne l'ont pas saisi ou qui n'ont pas été au niveau. Beaucoup de blessures aussi. Jovanovic, un peu comme Mecher dans un autre style. Ce n'est pas des joueurs qui ont été surperformants quand ils ont été alignés et qui n'ont pas montré qu'ils pouvaient être réguliers et faire partie de l'équipe, pour moi, en tant que titulaire. Mecher a déjà joué latéral, il me semble, l'année dernière en plus. Hein. Contre Nantes, oui. Il fait un centre pour Briand. Bizarrement, il n'était pas plus dégueulasse que ce qu'on voit actuellement au niveau de nos latéraux, bizarrement, donc bon, étonnamment. Ouais. Donc après, voilà, mais Jovanovic, il a complètement disparu. On ne sait pas à quel niveau il est physiquement, techniquement et tout. Il a complètement disparu, ce mec. On ne sait plus ce qu'il vaut concrètement, donc je ne sais pas. Moi, j'ai des gros doutes sur lui. Voilà, allez, c'est l'instant promotion, ça dure une minute. C'est le Château Enclos au Mazères qui nous soutient, hein, qui est partenaire des Talks. Il vous fait une offre à vous hein, et à vous seul, vous qui regardez les émissions. Il vous fait, avec le code WebGirondin, vous avez 10% de réduction sur une bouteille, plus les frais d'envoi de la bouteille offerts partout en France. Hein. Pour en profiter, vous appelez Johan Grégory, qui est supporter des Girondins, qui est partenaire du club. Il y a son numéro qui s'affiche sur l'écran, il y a le site internet. Vous dites que vous venez de WebGirondin et vous aurez une remise de 10% sur vos achats. Donc profitez-en, c'est Noël. Je rappelle que l'albuda-col est dangereux pour la santé. Voilà, ça, messieurs, c'est dit. Voilà, bon, bah, écoutez, c'était une première, un nouveau concept d'émission. On a préféré faire ça ce mercredi soir parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire lundi. Si lundi, vous n'avez pas eu le temps de voir l'émission avec Romain Molina, allez la visionner. Il y a déjà eu plus de 2000 vues. Donc, allez-y. C'était, a priori, les retours qu'on en a eu assez intéressants. Il y a des extraits qui ont été mis aussi sur le site webgirondin.com. Voilà, messieurs, bah écoutez, hop, je vais tous nous afficher là. Est-ce que vous avez un mot pour la fin ? Non ? Rendez-vous contre Rennes. Ben voilà, exactement, Conan. Bien joué, Conan. Avec peut-être une surprise au niveau composition, même si on n'y croit pas trop, on verra la durée. Si Gassé est capable aussi de... Ben peut-être de se réinventer et d'essayer quelque chose, surtout si on est en grande difficulté sur les prochains matchs. Oui, la compo, le groupe. Alors, Kalou ne devrait pas être titulaire. Il a dit aujourd'hui en conférence de presse, Jean-Louis Gassé. Allez voir les extraits de la conférence de presse sur Web Girondin. Oui. C'était assez animé avec Atem Ben Arfa en grande forme. Il a parlé des jeunes aussi, que des jeunes outre Traoré et Bakoua qu'il a encensé hein, sur leur qualité et sur leur rapport au groupe. Il a dit qu'il y avait d'autres jeunes qui risquaient d'intégrer le groupe pro. Certainement début d'année après le départ de plusieurs joueurs. Voilà, merci de votre fidélité, merci à tous. Envoyez du like, partagez cette vidéo. Et puis messieurs, merci d'avoir été disponibles pour ce talk du mercredi. Voilà, c'était exceptionnel. Rendez-vous prochain direct, c'est après le match de Rennes. Donc c'est à 21h en direct pour le débrief à chaud du match. Vous en avez l'habitude maintenant. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous.
Salut à tous. Bye bye. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.